Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien en ce samedi. Voilà, on est parti sur une petite présentation de map qui s'appelle La Montagne Verte. Elle est sortie hier. C'est une map qui a 56 champs, plus de 170 terres agricoles achetables, des centaines de zones forestières, de lacs, de rivières, VGA. Une zone de mise de pierre, trois trains pilotables, deux zones de ville, plan de croissance des cultures insérées des États-Unis. Il y a 70 000 arbres de scierie. Il n'y a pas de jeep collection sur cette partie-là. Donc c'est une petite map. Il me semblait de l'avoir faite il y a quelques mois, mais non, apparemment, parce que ça serait marqué déjà V2 ou une mise à jour. Et là, apparemment, non. Donc il me semblait que je l'avais faite. Donc voilà, merci encore une fois aux 834 abos. Merci à vous. Ce soir, les amis, exceptionnellement, je serai en live, mais à 21h15, 21h20, mais de sorte du FIFA. Ça va changer un petit peu. Et dans la foulée, on essaierait d'avoir, parce que dans la foulée, il y aura Vincent le Paysan qui sera sur. Il sera en live. Et voilà, donc je vous en dis pas plus. Vous savez pourquoi qu'il est en live. Et il l'a marqué pourquoi, donc GG à toi mon petit Vincent. Et puis voilà les amis, sur ce, bah après je pense qu'aussi on fera quelque chose dessus aussi, mais en faisant une autre ferme aussi, donc voilà. Voilà, mais pas sur cette map là. Donc voilà, on est parti, pardon. Hop là. Ah, il me semblait tu vois que j'avais commencé parce qu'il y en avait une, ça faisait pareil comme nom. On commençait comme ça. Alors, on va voir le PDA. Donc voilà le PDA. Donc il y a une cinquantaine de champs. Ouais, 57 champs. Donc il y a beaucoup de points. J'aime bien. C'est plutôt pas mal. Hop. Hop. Bon, c'est vraiment des grands champs apparemment. Ah bah on commence avec... Ah bah lui il est full New Holland, ça change. Ah mon copain moi ça. On commence là avec le T8. Le T8. Là ça va être pareil. Ah non c'est le T7. Ok. On commence avec la CH. La CH les amis. Lui il doit être full New Holland. On a la petite barre de coupe. On a une belle petite remorque. Une belle petite remorque. On a le pottinger en semoir. On a le cultivateur. Ah ouais, là c'est. Ouais, on a le cultivateur et la charrue. On va regarder ce qu'il y a au-dessus là, parce que moi je suis curieux. Tac, 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 toc, 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 toc. D'accord, bon. On va recommencer. Allez, un peu moins vite. Voilà. On peut pas y aller. Ah. Ah si. Alors. Là voilà, regardez. C'est bien foutu quand même. Bon allez, on arrête de faire des conneries. Ah bah, on aurait pu passer par là aussi. Ok. Là, c'est pour la cave. Ah non. Là, on joue à The Hunter ou à Call of Duty là. On fait la révision du tracteur. Ah oui, naturellement, on peut pas passer. Hein. Ça, c'est ballot. Ah, les lumières, elles sont fonctionnelles. Ça, c'est nickel. Par contre, faut pas avoir un gros cul. Hein. Ok, c'est bien. Et franchement, pour un petit truc comme ça, c'est bien foutu. On a la petite voiture, ok. Alors, on commence avec quoi de champ? Bah, avec quoi comme champ? Bah, on commence avec un like, apparemment. C'est pas nous le lac. Hein. Rigoler, on a qu'un champ, bon, c'est plutôt pas mal. Ok, ça, les champs ils sont, ah ouais, ils sont un peu chers quand même. Bon, après, il y a des bonnes surfaces aussi. Hein. Les animaux, on n'en a pas. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ça me chagrine un peu qu'il n'y a pas de plaçable au niveau des animaux.
Est-ce que c'est moi ou pas? Ouais, apparemment, on a le Manitou. Ah si, il y a des animaux là. Non? Ah non, là c'est le train. Non, non, on n'a pas d'animaux de placés. C'est un peu dommage. Bon, on va y voir le concessionnaire. Ok. Ah, c'est un peu dommage aussi, il n'y a pas de véhicule sur les côtés. J'aime bien quand c'est animé. Quand c'est animé, bon, je dis pas qu'il faut mettre un bâtiment, quoi, un truc New Holland avec du New Holland partout. Mais avec un petit peu de matériel dans déco, ça aurait été pas mal. Après, voilà. On n'est pas mappeur, malheureusement. Quoi, voilà, on n'est pas mappeur. Ok, donc ça a l'air d'être pas mal. Ça, c'est la petite. La petite supérette avec. Ah, il y a le truc là. Je sais pas si c'est votre. Il est pas fonctionnel lui. Non. Fais voir, mais je pense pas. Au moins qu'il faut l'acheter. Mais. Oui, on peut pas acheter sur les côtés. Ok. Ok. Non, mais je croyais que c'était. Non, mais vu comment c'est, on voit rien à l'intérieur. Parce qu'il y en a un bâtiment comme ça qui ressemble à un pour. Ok. Un joli petit lac là. Ouais, un joli petit lac par contre là. C'est bien agencé au niveau du lac. Et franchement, ouais, ça fait déjà 7 minutes qu'on est dessus. Alors, du coup. Ça on l'a vu, ça on l'a vu, ça c'est quoi? La menuiserie, bon ça les trucs de base apparemment. Fast food, ok. Ça. Ah je connais pas là, c'est quoi ça? Ah c'est la scierie. Ouais, là c'est la scierie. Alors il y a quoi entre la menuiserie et la scierie? Ah oui peut-être la menuiserie c'est pour l'autre, ok. Négociation à bétail. Ah il y a deux négociations à bétail. Ouais. Ah, tu pourras peut-être une boucherie. C'est peut-être une boucherie, peut-être, non? Larson. Ok. Et là, c'est pour acheter. Donc là-bas, ça se trouve, on peut vendre. Ok. Bon, c'est peut-être original. Là-bas, il y a un petit point de vente. Il y a le bowling. On a la circulation. Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre au bowling? Des quilles? Alors, qu'est-ce qu'on peut vendre au bowling? C'est le quoi déjà? Raid machin là. Le fast food négocié en bétail. Ah ouais, décidément, regarde, excusez-moi. Pourtant, j'ai dormi. J'ai dormi plus de 3 heures. Je sais pas ce qu'on peut vendre là. Ok. Ok. Donc là, ça, on l'a vu. Ça, on le connaît aussi là-bas. Ça, c'est des petits silos. Le truc céréalière, ok. Produits laitiers, on le connaît. Ah, si, il y a une pâturage à vache, tiens. Quoi, une grange à vache. Alors. Ok, il a fait. Ah, oui, il a fait un système de. Ouais, plutôt pas mal. Là, c'est pour les semences. Bien. C'est plutôt pas mal. Là, mais je pense que ça. Ah, oui, c'est à nous. Donc, ça, c'est cool. Ça a l'air d'être fonctionnel, tout. Ok, ouais. Ça, c'est la stabule de base, hein, qu'on peut retrouver. Et en parlant de stabule, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Eddie Farmer, les amis. Un petit clin d'œil à lui. Qu'il a fait du plaçable avec. Quoi avec du hachetable, pardon. Avec du MA7. Et franchement, grandiose à lui. Franchement, j'ai bien aimé sa petite vidéo. Elle dure longtemps et il explique bien ce qui. Ce qu'il a envie de faire dessus, et franchement, GG à lui. Franchement, c'était bien agencé. Franchement, bravo à lui. Donc, un petit clin d'œil à lui. Ce qu'il le fait. Il le fait pour nous. Il le fait pour nous dans ses vidéos. Donc, GG à toi, mon petit Eddy. N'hésitez pas à aller voir Vincent le Paysan aussi, qui sera en live ce soir. Et moi, je rejoindrai. Faire un petit coucou dans le live. GG à toi, parce que ça me fait plaisir d'avoir des mappeurs et qu'ils soient modo chez nous. Merci à eux. Donc voilà les amis, c'était un petit passage clin d'œil.
Petite pub. Hop. Donc, c'est une map assez bien agencée. Ceux qui aiment bien faire du bois et du céréal. Céréalière, pardon. Ça peut le faire, ça peut le faire. Franchement, ça peut valoir le coup. Bon, point positif. Il y a quelques points positifs. Bon, là, je pense qu'on arrive en bordure de map. Donc, à mon avis, on va avec Keblo. Voilà. Voilà. Mais bon, voilà. Ça, c'est bien. Donc c'est plutôt pas mal. Non, moi j'aime bien. C'est une bonne petite map, tranquille. Par contre, je ne sais pas. Je vais vous dire ça tout de suite, les amis. J'ai pas souvenir. Attendez. Je vais vous dire ça. Hop. Non, ça va. Ouais. Elle est passée dans les meilleurs téléchargements, celle-là. Je vais vous dire si elle est console et PC. Mais je crois pas que j'ai rien vu. Quoi, je l'ai pas vu sur. C'est pas marqué sur mon site que je l'ai, malheureusement. Mais peut-être que j'ai loupé. Hein. Parce que là, j'ai récupéré un autre site là. Et là, c'est pas l'anglais qui me l'a envoyé. C'est peut-être celui-là. C'est sorti hier. 1er décembre. Ouais, je l'ai pas là. Bah, je vous le dirai franchement si c'est console et PC. Je vous le dirai sur le titre. Il me semble que oui, mais je ne vais pas vous induire en erreur. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont en description live. Et elle va sortir dans la foulée. Elle va sortir vers les 18h, 18h15. Cette présentation de map. Allez sur ce, c'était Ciboulette 89 et Fracassé de cœur. N'hésitez pas à aller checker toutes les chaînes. Merci pour les petits pouces bleus, merci pour les abos, merci encore une fois aux 834 abos. Et je vous retrouve ce soir sur du farm, du FIFA, excusez-moi, à 21h15, 21h20 sur du FIFA. Après, on partira un peu sur du farming pour voir 2-3 trucs. Vous savez pourquoi. Allez, sur ce, bon appétit si on ne se revoit pas et je vous dis à ce soir. Ciao, ciao!